On n'est pas entrepreneur juste parce qu'on a envie de faire quelque chose pour gagner de l'argent. On est entrepreneur parce qu'on est prêt à prendre de gros risques pour accomplir des exploits, gagner beaucoup d'argent, mais accomplir de grandes choses. Je précise que le risque de gagner gros veut toujours dire le risque de perdre gros. Le risque d'accomplir des exploits veut dire le risque de faire des faillites. Si tu veux risquer d'être entrepreneur, tu dois être presque parfois, tu vas passer des saisons de ta vie sans avoir même 100 francs pour manger. Mais tu continues parce que tu crois que de même qu'il y a des saisons où tu n'as pas 100 francs pour manger, il y aura des saisons où tu donneras 10 millions à des gens pour faire des œuvres sociales. Et tu es prêt à payer le prix des temps de galère, de souffrance, des problèmes, la prison et toutes les épreuves parce que tu crois que ce ne sont que des semences. Tu méprises cette ignominie-là parce que tu regardes comme Jésus à la gloire qui t'attend. Tu sais tellement où tu vas et ce pourquoi tu as choisi de vivre avec Dieu que tu payes le prix de l'épreuve pour y arriver. Tu préfères souffrir pour semer, mais tu crois que tu accompliras des exploits. Tu n'as pas peur du risque et du prix à payer parce que tu veux accomplir des exploits. Mais si tu es le type de personne, la majorité, qui ne veut pas de problème, qui ne veut pas d'histoire, qui ne veut pas qu'on le convoque, qui ne veut pas d'emmerdement, qui ne veut pas se retrouver à ne pas savoir quoi payer, qui ne veut pas avoir de dette, qui ne veut aucun souci, et que tu vis en essayant de minorer et de minimiser les problèmes, tu n'as rien à foutre dans l'entrepreneuriat. Parce que la seule manière de ne pas risquer d'avoir des problèmes et de ne pas risquer de se retrouver parfois sans argent, c'est de ne pas risquer d'en gagner.